parce que je vais venir mettre mon biais d'encolure tout de suite. C'est la prochaine étape. Donc pour ce faire, j'avais coupé et là j'enlève les 2-3 premiers centimètres qui étaient à côté de la lisière. Parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est pas très extensible. Moi j'aime pas trop utiliser cette partie-là du tissu. Donc je prends ma bande de biais de jersey de 4 cm, je la plie en deux, envers contre envers, voilà, de cette manière-là, envers contre envers, et je vais venir donc la placer tout le long de mon encolure. Cette fois-ci, je ne mesure pas, c'est un t-shirt express. Et là, je vais utiliser mes pinces. Pour maintenir en place donc ma bande en tirant légèrement sur mon jersey, sur ma bande de jersey, pour venir la placer le long de mon encolure. Donc on fait les choses, même si on veut le faire vite, on le fait tout de même bien, donc bien bord à bord. Hop, je place mes pinces, je tire légèrement, j'étire mon jersey. Comme il est très extensible, je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-ci avait 50% d'élasticité ou 60%, de tête là je ne sais plus, mais il est très extensible, donc on peut quand même tirer dessus sans aucun problème, sans que ça gondole après. C'est pour éviter que mon encolure ne baille et ne soit pas du tout jolie. Donc je continue tout le long de l'encolure, je place donc mes pinces pour fixer ma bande de jersey. J'arrive à l'épaule, j'en mets encore une. Hop. C'est presque terminé. Voilà, donc là j'ai placé mon biais d'encolure tout le long de l'encolure et il est maintenu grâce à mes petites pinces. Je vais commencer à assembler. Donc je soulève légèrement si besoin le pied de la surjeteuse et comme guide je vais toujours garder, faire en sorte que ma bande de biais reste vraiment en limite de mon pied presseur. Voilà, c'est bon, ce sera mon guide pour cette couture. Je tire légèrement sur mon tissu. Et là, on est presque au bout. Là, j'ai presque terminé. Je ne vais pas faire un à-coup pour arrêter ma couture. Je continue sur quelques centimètres pour garder une couture vraiment bien droite. Voilà. Et lorsque mon épaule est sortie du champ de la couture, là effectivement
je peux enlever mon biais de sous le pied presseur et je viens couper donc et ma chaînette et ma bande ainsi cousue. Donc je vous montre le résultat. Donc là j'ai réalisé donc l'encolure de mon t-shirt. Voilà. Maintenant, je vais réaliser la couture de la seconde épaule. Donc, je place endroit contre endroit les deux épaules. Donc, je fais bien attention. Je vérifie que mes deux bords sont bien l'un à côté de l'autre, bien bord à bord. Que mes coutures d'assemblage se rejoignent également. Et comme toujours, j'épingle. Enfin, j'épingle, je pince. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Donc ici, j'enlève pour vous montrer. Voilà. C'est ces deux parties-là que l'on va coudre ensemble. Pour ne pas que ça bouge au moment de l'assemblage, je vais soulever donc le pied presseur et je vais mettre le plus près possible mon assemblage des aiguilles. Comme ça, ça va éviter qu'il y ait un petit mouvement qui puisse se créer et qu'il y ait un décalage au moment de l'assemblage. Ce qui peut se produire lorsqu'il y a un peu d'épaisseur comme ici. Donc là, j'assemble, je vérifie que j'ai quand même une chaînette suffisamment importante parce que c'est sur cet assemblage-là que la petite chaînette va être importante et qu'on va devoir la rentrer. Un petit bout de fil qui est resté, on l'enlève. Donc voilà, je vous montre. Bon, j'ai eu un tout petit décalage. Normalement, ça devrait être vraiment impeccable comme celui que j'avais réalisé ici. Voilà. Donc là, ça nous fait une petite croix parfaite. Bon, j'ai un tout petit décalage. Je pourrais éventuellement démonter ma couture et recommencer. Donc là, je vais rentrer mon fil qui dépasse. Je le fais tout de suite. Ça, c'est des habitudes. Moi, j'aime pas quand il y a des fils qui traînent. J'aime pas quand il y a des fils qui dépassent. Je suis un peu maniaque du fil. Donc, je vais je vais faire passer les petits fils de la chaînette dans le chat de mon aiguille, celle que je vous avais montrée tout à l'heure, donc une aiguille avec un gros chat. Hop. Je passe ma petite chaînette à l'intérieur. Et maintenant, je vais la rentrer à l'intérieur de la couture qui vient d'être réalisée. Donc de cette manière, on ne coupe pas le fil trop près, donc l'assemblage ne risque pas de se défaire. Donc ça consolide. Et hop. Et c'est plus joli de rentrer les choses comme ça que de refaire une couture ou faire autre chose. Bon. Évidemment. Ça fait un petit caprice. D'habitude, j'ai aucun problème. Voilà, ça y est, on va pas se laisser faire. Donc là, j'ai rentré donc mon fil à travers la couture précédemment faite. L'excédent de chaînette, je viens le couper. Donc j'ai terminé mon encolure.